confusion généralisée. Le monde est sous perfusion, anesthésié, saturé d'infos qui circulent sur internet. Le cerveau rempli de déchets, difficile de faire place nette. Toutes sortes de dégénérés font leur beurre avec ce média. De Zemmour à Dieudonné, de Sora à la Boutelja. Ils propagent leur haine et leurs propos racistes et détournent quelquefois le vocabulaire marxiste. Ils ne sont jamais loin des pires complotistes et pensent vraiment que des Illuminati existent. Qu'une secte de juifs, francs-maçons ou sataniques dirige le monde et les banques en secret et nous niquent. Ils ne comprennent rien au fonctionnement de l'économie et n'ont jamais lu de Bohr ou Marx de leur vie. Ils sont les idiots utiles du capitalisme, partisans de l'idéalisme et du postmodernisme. Certains adhèrent aussi aux thèses racialistes, aussi bien chez les gauchistes que les islamistes. Les dominants seraient des blancs colonialistes, mais qu'en est-il au Qatar, en Arabie Saoudite? Que faire face aux salafistes et aux évangélistes quand la critique de la religion est interdite? Qu'elle se heurte à des soi-disant anarchistes qui défendent au final des concepts théologiques. Des quartiers entiers sont abreuvés de crasse qui remplacent la lutte de classe par la lutte de race. Les réacs répandent leurs idées sur la masse et amènent la jeunesse dans des impasses. Ils copinent avec des tiers-mondistes identitaires, obsédés par la couleur de peau des prolétaires. Mais dites-moi avec quel taux de mélanine un être humain noir ou blanc se détermine? Question débile, thématique de poubelle. On est bien loin d'une vision universelle d'une humanité libre et égalitaire. Le combat du prolétariat révolutionnaire, c'est l'époque de la confusion générale. Les faux rebelles sont des soldats du capital. La fusion des cons en une réaction globale, un peu de clarification ne fait pas de mal. C'est l'époque de la confusion générale. Les faux rebelles sont des soldats du capital. La fusion des cons en une réaction globale, un peu de clarification ne fait pas de mal. C'est l'époque de la confusion générale. Les faux rebelles sont des soldats du capital. La fusion des cons en une réaction globale, un peu de clarification ne fait pas de mal. Aujourd'hui c'est 1er mai, mais en fait quoi au fait? Entre nos buts et les issues des luttes réside un offset. Toujours les keufs qui guettent et je dois trimer pour remplir mon assiette. Rien de neuf, rien qui pète, c'est pas 1917. Parfois violent, souvent festif, voilà le climat des manifs. On a ravalé notre rage, comme on range la lame d'alcanise. La moisissure des syndicats se greffe au move alternatif. On suit leur agenda qui fixe aux grèves intermatifs. Comme des éclats de cristaux, ma classe brisée en mille morceaux. Pris par son absence, sans se soucier des conflits sociaux. D'un côté des prolétaires qui ont déserté le front, de l'autre des universitaires qui veulent disserter en leur nom. Parlons-en de ces petits bourges qui vous inondent de théories. Ils sont aguerris, nous divisons des dizaines de catégories. LGBT, homme ou femme, la classe sociale disparaît et on éteint la flamme. Dans leur théorie, paraît que les prolos se dominent entre eux suivant un sexe ou une couleur qui redéfinit les règles du jeu. Mais ces gratte-papiers n'ont pas capté les rapports de production. La recherche du profit génère les ségrégations. Si tout le monde bouffait à sa faim, si chacun avait accès aux moyens pour produire tous les biens, si chaque personne, quelle qu'elle soit, prenait part aux décisions, peux-tu me dire à quoi serviraient les divisions, les théories raciales face à la critique radicale qui dégomme les religions, les idées de race sociale dans les quatre coins du monde? La lutte des classes est universelle, rien à foutre du genre ou des aspects culturels. C'est clair, loin de moi l'idée abjecte d'ignorer la mise à l'écart dont une personne peut être sujette. Ces identités ont été fabriquées par le pouvoir et sont revendiquées. C'est effacer notre mémoire. Je refuse de défendre une quelconque appartenance imposée par les patrons auxquels je ne fais pas allégeance. Mes camarades ne sont ni hommes, ni femmes, ni blancs, ni noirs, mais le prolétariat en lutte par qui vient le seul espoir. C'est l'époque de la confusion générale. Et vos rebelles sont des soldats du capital. La fusion des cons en une réaction globale, un peu de clarification ne fait pas de mal. C'est l'époque de la confusion générale. Les faux rebelles sont des soldats du capital. La fusion des cons en une réaction globale, un peu de clarification ne fait pas de mal. C'est l'époque de la confusion générale. Les faux rebelles sont des soldats du capital. La fusion des cons en une réaction globale, un peu de clarification ne fait pas de mal. Les faux rebelles sont des...
des soldats du capital. La fusion des cons en une réaction globale. Un peu de clarification ne fait pas de mal. Un méchant virus alter, mondialiste et snobinard, qui fricote avec fourrissons et cheminades, des antisémites négationnistes, des gros malades, qui nous sert sur le net des propos fascisants, qui plaisent aussi aux fans de Thierry Messant. Le réseau Voltaire engraine les réactionnaires dans un anti-américanisme puéril et primaire. Ils choisissent la peste au lieu du choléra, l'Iran et la Russie au lieu d'Obama. Des fans d'Erdogan, des leaders autoritaires, des frères musulmans, du Hamas, des militaires. Des liens organiques structurent l'extrême droite pour enfermer les prolétaires dans des boîtes. C'est le paradis pour les costards cravates, un troupeau de petits salariés automates. La mode actuelle est à l'écologie, les bobos raffolent des écrits de Pierre Rabhi. Le réac mystique qui, sous couvert d'humanisme, vante les mérites de la petite entreprise. Du catastrophisme pour les plus radicaux, l'apocalypse climatique serait pour bientôt. Du malthusianisme économique au rapport Mido, la décroissance pour faire culpabiliser les prolos. Je passe pas mes nuits debout avec Lordon et Ruffin. Je dois me lever le matin pour nourrir mes gamins. Le sabotage des luttes par les syndicats, les staliniens, le spectacle de la division, toujours le même refrain. C'est l'époque de la confusion générale, les faux rebelles sont des soldats du capital. La fusion des cons en une réaction globale, un peu de clarification ne fait pas de mal. C'est l'époque de la confusion générale, les faux rebelles sont des soldats du capital. La fusion des cons en une réaction globale, un peu de clarification ne fait pas de mal. Générale.